Ce mercredi 30 août, Cameron Diaz célèbre ses 51 ans. Absente depuis plus de 8 ans des plateaux de cinéma, l'actrice américaine se consacre depuis à sa vie de famille, mais pas que. En effet, cette dernière va bientôt faire son grand retour sur les écrans. Comment oublier la première fois que l'on a découvert Cameron Diaz? C'est en 1994 que l'actrice fait ses premiers pas au cinéma, le film culte The Mask. Dans le long métrage adapté du comic book éponyme, la comédienne incarne Tina Carlyle, une chanteuse qui fait fondre le cœur du personnage loufoque de Jim Carrey. Un rôle qui lui a permis de se faire remarquer et d'enchaîner les projets, comme Le mariage de mon meilleur ami dans lequel elle donne la réplique à Julia Roberts, l'hilarant mari à tout prix, Le sportif l'enfer du dimanche aux côtés d'Al Pacino et bien sûr la saga Charlie's Angel. Une carrière intense, que l'actrice a décidé d'arrêter en 2014, après sa participation à la comédie musicale Annie. Un choix qu'elle a expliqué en 2019 dans les colonnes du média InStyle, « C'est tellement amusant que personne ne sache ce que je fais. Je ne fais la promotion d'aucun film, donc je n'ai pas à donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est plus ce que je fais. Je vis ma vie. J'ai l'impression que c'est bien de prendre ce temps pour moi maintenant pour m'organiser et choisir la façon dont je veux revenir sur le devant de la scène. » Une mise en pause de carrière qui lui a permis de se consacrer à sa famille, bien que le cinéma ne soit jamais loin pour Cameron Diaz. Un retour prochainement? Durant sa longue pause de 8 ans, Cameron Diaz s'est consacrée à son mariage avec Benji Madden, qu'elle a épousé le 5 janvier 2015, et avec qui elle a une fille, nommée Radis, née en 2020. Une vie de famille qui est une joie de tous les jours pour l'actrice, comme elle l'a confié en juin dernier, « C'est la chose la plus épanouissante que j'ai jamais faite de ma vie. » Mais la comédienne s'apprête à faire son retour sur grand écran. C'est sur les réseaux sociaux que l'annonce du retour au cinéma de Cameron Diaz a été faite par l'acteur Jamie Foxx. C'est sur une story Instagram que l'annonce du tournage du film Back in Action a été faite par l'acteur. Un long métrage qui parlera du retour aux affaires d'une femme à la retraite depuis 6 ans. Un projet produit par la plateforme de streaming Netflix, et dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée. En plus de ce projet de film, Cameron Diaz pourrait être rapidement de retour en studio, pour reprendre son rôle de la princesse Fiona, dans le 5e opus de la saga Shrek, qui a été lancé par le studio DreamWorks en avril dernier. Un retour qui ravira les fans de l'actrice qui célèbre aujourd'hui ses 51 ans.